Hello, j'espère que ça va bien. Ah bah moi ça va, ouais, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale Lyon, cette ville que j'adore, la fameuse ville lumière. Donc je suis chez ma soeur et là on va faire plein de trucs. Donc pour la tenue, des lunettes, comme d'habitude, toujours les mêmes. Petit bracelet, petit bijou, une robe qui vient de chez Mango, des petites ballerines blanches et un sac qui appartient à ma soeur. Un genre de tote bag un peu. Grace et Mila, de toute façon il fait très très chaud. Il va faire 36 peut-être aujourd'hui, donc on fait très léger. C'est pour ça que le lin c'est très bien d'ailleurs. Et nous voici sur la basilique de Fourvière en l'honneur de Sainte Marie, la mère de Jésus-Christ quand même, si vous ne savez pas. Et je vous emmène à l'intérieur, suivez-moi. Ah, regardez en plus, il y a même un arc-en-ciel. Regarde, il est où l'arc-en-ciel? Ici. Là, regardez, c'est un arc-en-ciel. Ah, oui, ça. Sur Zoom, en effet. Ah bah quand même, c'est un arc-en-ciel. C'est vrai, il y a plusieurs couleurs. In patris et filis et spiritus. Et regardez même, après l'accordéon, qui est quand même un peu parisien, on a même la tour Eiffel ou tour de Tokyo, c'est vous qui choisissez. Ou alors la tour de Lyon, si vous préférez, mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle est pas belle, franchement? Est-ce qu'elle est pas belle? Incroyable. Bref, je vous emmène cette fois vraiment à la basilique de Fourvière. C'est pas grave. Je sais pas si on peut filmer à l'intérieur, c'est peut-être pas très poli, franchement. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave de moi, Cécile. Attendez, parce que je vais quand même montrer la caméraman, histoire que vous voyez aussi qui c'est. Voici ma soeur Cécile, voilà, qui vit à Lyon depuis maintenant 5 ans. Exactement. Plus belle ville de France. C'est ce qu'elle dit, mais je pense pas, voilà. Bien sûr que si. Après la basilique, nous pouvons voir la magnifique vue de Lyon. Mais avant la magnifique vue de Lyon, nous avons ce manège que nous avons fait samedi dimanche. Je vous mettrai un petit extrait vidéo. C'était beaucoup de sensations. Je suis encore chamboulée. Oui, très très chamboulée, très choquée, franchement. Je vous conseille pas. Pour les âmes sensibles, franchement, je ne le conseille pas. C'est un peu nul. En fait, à part la musique, c'est un petit peu nul. Oh, c'est rigolo! Ça brûle les doigts. J'appuie. Ouais. Mais allons voir la belle vue de Lyon. Suivez-moi. Admirer. Ça va être dur ce reportage. Bon, je disais, vous pouvez donc admirer la belle vue de Lyon, ville lumière. Et la particularité quand même, ce qu'on peut dire et ce qu'on remarque directement avec cette vue, c'est quand même que tous les toits sont rouges et que c'est très très verdoyant. Et ça, franchement, c'est vraiment super. Et donc, après notre cher petit funiculaire, nous arrivons directement devant la cathédrale Saint-Jean. Je sais ce que vous vous dites, elle est moins belle que celle de Sens, mais elle est trop fort parce qu'on est à Lyon, on va se faire tomber. Et donc, la voici, qu'elle est belle, qu'elle est charmante, majestueuse, majestueuse aussi si vous le souhaitez, mais c'est tous les mots que vous voudrez.
Et surtout, n'oubliez pas la petite crème solaire. Pour ma part, vous avez vu ma tête, donc je prends de la 50. Mais n'importe, mais faites attention à votre petite peau, c'est important. Et ici, nous avons la praline. Les pralines pour les gâteaux, c'est ça. Petite brioche rose comme ça, c'est trop trop bon. Et c'est une spécialité de Lyon, enfin qui vient des alentours de Lyon. Et vraiment, je vous jure, bon, c'est très sucré, mais c'est délicieux, vraiment. Regardez, je viens de me prendre une limonade dans le magasin justement de citron. Et c'est des citrons de menton, je suis trop contente, j'aime trop les limonades. Plus pour se balader dans l'eau comme ça, mieux qu'une bière. Voici c'est un petit traboule. C'est la spécialité de Lyon, peut-être si je peux dire. Suivez-moi pour voir. Et c'est vraiment. Par contre, il y en a partout dans Lyon un petit peu caché. Des fois qu'on va dans des boutiques. Et les gens vivent ici en fait simplement. C'est un peu le. Comment ? C'est pas le haussmannien, mais version Lyon, quoi. C'est quand même plutôt joli, on peut le dire. Ah, c'est tout tine. Regardez-moi ce glacier, c'est incroyable. Il y a 90 parfums, 96 parfums, excusez-moi. Il y a de tout, genre comme du matcha, de la bière. Enfin, il y a vraiment de tout, c'est incroyable. C'était dimanche. Dimanche, on a déjà fait un tour dans Lyon. J'ai goûté celle au sésame. Ainsi que celle à la corne de gazelle. Et c'était très 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 bon. Vraiment c'était exquis. Alors vraiment si vous venez à Lyon, il faut vraiment passer par ce glacier. Parce que c'est vraiment incroyable. Les sensations en bouche, c'est vraiment génial. Et là on va faire une petite session friperie. Parce que celle-ci elle est très sympa aussi. Elle est tout, en fait elle est dans le Vieux-Lyon. En plein dans le Vieux-Lyon. C'est super sympa ici, on adore. D'ailleurs pour ceux qui ne savaient pas, mais les guignols, ces choses-là qui font vraiment peur, bah, ça vient de Lyon en fait. Ça a été vraiment créé ici. Donc je vous présente le musée Guignol, l'endroit où je n'irai pas et je ne vous conseille pas forcément d'y aller non plus. Mais voilà, ça vient d'ici au moins, c'est déjà ça quoi, c'est bien. Et c'est le moment de manger, donc au menu, un wrap, voilà. Pas grand chose à dire, olives, tomates, et de la salade. Bon appétit! Regardez ce que j'ai acheté aussi. Je suis tombée sur une boutique avec que de la truffe, genre vraiment spécialité de truffe. Du coup, j'ai pris une sauce champignon et truffe, elle était 7%. Donc c'est plutôt pas mal, c'était très bon. Et après, j'ai pris aussi un miel à la truffe, c'est super original. Et pour des recettes sucrées ou salées, de toute façon, ça peut être très très bon. Voilà! Du coup, on est allé dans la boutique là que je viens de vous montrer. Attendez, on voit pas du tout ma tête. On voit que reflet de soleil, je vais à l'ombre. Donc, ma sœur a trouvé un joli, enfin joli. Elle le trouvait joli en tout cas. Un t-shirt un peu grand et tout. Et après, en fait, il y a des taches devant et derrière. Donc, elle fait oui. Elle a essayé de négocier. Elle a pas trop réussi, mais elle a essayé de négocier. Mais en fait, elle leur dit oui. Bah, écoutez, les taches, c'est fait. Ah, mais c'est normal. C'est vintage. Bah oui. Bon. Le t-shirt reste taché, que ce soit vintage ou pas, c'est pas forcément taché. Du coup, elle a voulu l'avoir à moitié prix. Donc, il était à 20 euros, elle a demandé à 10 euros. Il se fait ah non, moi je ne vends rien à 10 euros, à 15 euros en espèces. Du coup, on est parti, voilà. Mais quand même, je trouve un peu brut de pomme quand même. Genre, il était taché de devant et derrière, c'est pas forcément normal. Tous les vêtements vintage ne sont pas tachés, mais bon, c'est pas grave. T'es pas trop déçu de pas avoir ton t-shirt? Si, mais franchement, le mec,
Ah, t'es vraiment déçue en plus? Bah, je l'aimais bien. Il était cool. Je vois bien avec t-shirt en jean et tout, mais. Ouais, ouais. 20 balles ou 15 balles pour un t-shirt qui est taché des deux côtés avec des taches jaunes qui partiront pas au lavage. Moment rébellion. Déconné, hein. Ouais. Je viens de m'acheter un petit short à 23€ qui est très beau. Je vous montrerai si j'y pense ce soir. Ça va être parfait pour la Thaïlande en fait. Et puis il est très original, la coupe, tout ça. Donc je suis plutôt contente de ma petite trouvaille. Pour l'instant, on est en train de se balader un petit peu dans l'endroit cool. Ça se voit, il y a plein de skaters, tout ça. Et les magasins qui vont avec. Donc c'est plutôt sympa comme ambiance. C'est toujours très fleuri ici. Alors là, on a été chercher des cookies. Je vous montrerai, je sais pas si je vais les manger tous ou pas. Là on a arrêté un café. C'est trop beau, trop bon. Alors, il y a plein de trucs végétariens et tout, c'est trop bien. J'ai pris un petit sirop de violette. Et ma soeur elle a pris un matcha. On attend. Regardez-moi cette couleur, ça annonce trop bon. Ma soeur elle a pris donc son matcha et ses avocats de toast. Je sais pas pourquoi mais genre j'ai grave un délire des toilettes. Et dès qu'elles sont belles ou stylées, je les filme. Donc voilà, maintenant quelqu'un qui a voulu rentrer. On vient de sortir du café, c'était trop bon. Le monsieur trop gentil. Je vais essayer de retrouver, je vous mettrai l'adresse ici en fait pour que vous puissiez y aller parce que vraiment c'était très bon, très très sympa en fait. Rien que l'ambiance était vraiment super fun. Enfin fun, non, mais super cool en tout cas. Voilà. Alors là, nous sommes dans l'hôtel Dieu. Ma soeur m'a fait découvrir cet endroit, c'est super sympa. C'est une cour. Et voilà, c'est bien pour chiller, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est très grand ici en fait, je dis des bêtises, c'est pas que cette cour comme ça, avec qui est très belle d'ailleurs et très chill. Il y a plein de magasins comme ça, donc suivez-moi, suivez-nous même. Mais franchement, s'il y a un truc vraiment à remarquer, c'est que ici les gens sont tellement beaucoup plus chill, tellement beaucoup plus posés. Je me sens vraiment beaucoup plus calme. Les gens, ils marchent normalement à une allure normale et ils poussent pas en fait. Après, peut-être parce que c'est les vacances, il y a beaucoup moins de monde quand même. Mais franchement, ça me marque beaucoup. En fait, il y a plein de parcs comme ça en fait. Donc c'est trop, trop bien. Franchement, ça c'est vraiment super. C'est une jolie découverte. Hyper bien, c'est hyper délicat comme endroit, c'est ça, c'est délicat. Pour boire un petit tisane, donc vraiment, on va aller voir la fontaine parce que incroyable une fontaine. Waouh, une fontaine. Non mais elle est vraiment trop belle quand même pour le dire. Elle m'exprime de la joie. Vraiment, je le sens avec elle est aussi apaisante que cet endroit. C'est ça, on va dire ça. Non, je vais vous montrer, c'est trop beau. Pour un petit date, je dis ça, je dis rien. Bon, j'étais pour la première fois chez Aromazone, j'y crois pas trop. Je sais pas en fait, j'ai jamais essayé ni rien. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Mais ça va être un masque pour la brillance. Bon, j'ai bien pris un truc. Parce que je me suis dit j'allais essayer tout ça parce que ma soeur ne fait que d'en parler. Et après elle m'a acheté aussi un petit sérum, je vais vous montrer. Je pense pas que ça. Enfin je sais pas si ça fonctionne ou pas, mais elle m'a dit d'essayer parce qu'en fait je jugeais un peu trop. Donc j'attends de voir si ça va fonctionner ou pas. Pour le fameux produit, c'est ça, c'est un sérum concentré.
qui se met avant la crème hydratante. Voilà. Donc on verra bien si, ce que ça donne en tout cas. Donc là, on arrive place Bellecour. Elle est vraiment belle cette place. On ne se rend pas compte comme ça parce que bah, vous n'êtes pas là évidemment. Mais le soleil, il tape un truc de fou. Il fait très très chaud. Voilà, on va rentrer parce qu'on a pas mal marché aujourd'hui. Je vais vous montrer le short aussi en rentrant à la maison. Bon, je suis désolée, là on voit pas trop bien, mais donc c'est ça le short. Donc c'est Only la marque. Il a coûté 22€ au lieu de 45. Et en fait, la forme elle est très très large. Et donc du coup, c'est très pratique. J'adore. Et de toute façon, je vous verrai sur Instagram si je mets une photo ou quoi, ou porter ce que ça donne. Mais vraiment, c'était une très belle affaire, donc je suis très contente. Bon, c'est un peu un détail un peu pourri, on peut le dire. Mais en fait, dans le métro à Lyon, il y a de la musique, j'en reviens pas. C'est trop bizarre. Non, mais c'est vrai, genre, à mon avis, si à Paris, la ville mettait de la musique, en fait, on se ferait juste grave engueuler et les gens seraient pas contents. Alors qu'ici, on dirait que les gens, ils sont contents d'avoir de la musique dans le métro. Genre, ils sont pas choqués ni rien. Bon, en fait, je suis un peu tête de linotte. Hier, je vous ai pas dit bisous, je vous ai pas dit au revoir. On est sortis pour aller voir des amis de ma sœur. Et donc du coup j'ai oublié de vous dire au revoir, donc je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine et bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances.